Bonjour à chacun de vous. La paix de Dieu soit avec vous en ce matin. Et soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Dieu a mis en nous une puissance. Une puissance pour le louer, une puissance pour l'adorer, une puissance pour exalter son nom. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on glorifie Dieu, lorsqu'on élève Dieu. Si vous savez, lorsqu'on loue Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les lieux célestes. Les démons s'enfuient parce que la louange monte avec puissance. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Mais sur toute la terre, il y a un peuple qui loue Dieu. Il y a un peuple que Dieu a racheté. Il y a un peuple qui élève le nom de Jésus, comme nous le faisons ici. De toute nation, de toute tribu, de toute langue, le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est glorifié. Le nom de Jésus est adoré. Parce qu'il est le seul qui a pu offrir à Dieu son Père un sacrifice agréable, sans tache, sans défaut, à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes les puissances sataniques, démoniaques, et les a livrées publiquement, triomphant d'elles par la croix. Seul Jésus a pu faire ça. Et il a fait de nous, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Qu'est-ce que nous sommes? Des enfants, quoi encore? Des brebis, des rachetés, des sacrificateurs. Sasteur d'Oswald, très bien ma sœur. Il y a encore une nation sainte. Qu'est-ce qu'il a fait de nous encore? Des héritiers, un peuple acquis. Non mais, je veux le mot précis. Il a fait quelque chose de nous à laquelle je vous donne une énigme. Il a fait quelque chose de nous à laquelle il habite en nous. Un temple, encore. Un royaume. Son église. Non, je veux le mot précis. Il a fait de nous sa demeure. Il a fait de nous sa maison. Vous ne savez pas que vous êtes la maison de Dieu? Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit où Dieu habite? Autrefois, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, parce que nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance, nous sommes sous la Nouvelle Alliance, sous la dispensation de la grâce. Autrefois, il y avait le tabernacle où l'Esprit de Dieu descendait, où Dieu se rencontrait avec le peuple d'Israël, le sacrificateur Aaron. Nous savons que les sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur et Dieu descendait pour communiquer avec son peuple. Mais Jésus nous a réconciliés avec Dieu en nous faisant entrer directement dans les lieux très saints. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Bien-aimés, quand nous regardons, c'est un privilège que nous sommes ici en ce matin pour adorer le Seigneur. Et moi, chaque fois que je porte la parole de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Parce que, vous savez, il y a une chose que la Bible dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. C'est-à-dire, moi qui a le micro et qui vous annonce les oracles de Dieu, je serai jugé plus sévère que ceux qui sont assis dans la salle. Parce que connaissant la parole de Dieu, je ne dois pas passer outre ou faire n'importe quoi. Et puis venir le dimanche avec une cravate, un habit, et puis, comme on dit, faire le petit prélet. Attention, les yeux de Dieu, ce sont des caméras. C'est pourquoi il est dit que chacun de nous rendra compte au jour du jugement. Donc, en ce matin, bien-aimé, c'est un message que vraiment, ça m'a été
confié, ça m'a été donné par l'Esprit de Dieu. Et quand nous regardons les temps que nous vivons, nous pouvons dire que Jésus est à la porte. Le croyez-vous? Le retour de Jésus n'est pas loin. D'après tout ce qu'il se fait, d'après tout ce qu'on voit, et là où je vous dis vraiment que je sens que Jésus est à la porte, parce que l'heure va tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. On n'a plus le temps maintenant. Plus le temps. Et c'est pourquoi que maintenant, nous devons marcher pour la gloire de Dieu, de sanctification en sanctification. Parce que en ce matin, le Seigneur peut venir à ce moment-là. Il peut venir enlever son église. Est-ce que je suis prêt à y aller? Est-ce que je suis prêt à partir avec le Seigneur? Donc, bien-aimés, tenons ferme, tenons bien, et que Dieu nous bénisse tous. Donc, le message que l'Esprit de Dieu a mis sous mon cœur, dont j'ai préparé avec l'aide du Saint-Esprit, c'est un message qui concerne, comme je disais, nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai entendu plusieurs versions à laquelle que j'approuve, parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Quand nous voyons, avant d'entrer dans le message, quand Dieu a créé l'homme, quand je dis l'homme, y compris la femme, Dieu les a créés parfaits. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé, comment que le diable les a séduits, parce qu'il a voulu voler la bénédiction de l'homme en trompant Adam et Ève. Et voilà que il a mis Adam et Ève sous sa domination, ainsi que tous les descendants d'Adam et Ève ont suivi le même chemin, même nous. Et il a fallu que Dieu conclue une alliance avec son fils Jésus-Christ en l'envoyant sur la croix pour nous racheter. La Bible dit, autrefois nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis perdues. On marchait selon les pensées de notre cœur, selon la convoitise de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. C'est pourquoi, quand nous regardons dans le monde, bien-aimé, nous pouvons dire à Dieu merci de ce que nous sommes ses enfants, de ce qu'il nous a rachetés par le sang de Jésus. Jésus, bien-aimé, a payé le prix de la réconciliation sur la croix pour nous faire entrer dans son royaume céleste. Et il a fait de nous une habitation de Dieu, une maison de Dieu, un saint sacerdoce. C'est pourquoi c'est vrai que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Quand nous regardons le monde, bien-aimé, tout ce qui se passe dans le monde, regardez, le monde n'a plus de solution. Ils élus un président de la République en pensant que tous les problèmes vont être réglés. La cote du président chute. Parce que pourquoi? Le monde ne veut pas se confier en Dieu. Le monde ne veut pas chercher Dieu. Le monde ne veut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Et quand nous regardons, le diable est à l'œuvre. Le diable séduit tous les jeunes maintenant. Mais il faut que les prophéties de la Bible s'accomplissent. La Bible a déjà dit que les enfants se souleveront contre leurs parents. Vous n'avez pas entendu dernièrement qu'un enfant a tué sa mère? Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est un malade mental, il n'est pas normal. Vous savez, le diable a une manière de travailler. Il ne veut pas que l'homme puisse connaître
ses plans, ses œuvres. Il se cache derrière ses œuvres, mais ne veut pas que les gens connaissent. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est anti-malade mentalité, toc, toc, il t'est cité ça. Mais pendant ce temps-là, comme j'ai dit à quelqu'un, non, c'est une malédiction qui est dans la famille, à laquelle une puissance satanique a pris possession de cet enfant. Et voilà que il y a, si on recule dans les descendants, il y a quelqu'un qui a dû toucher, qui a dû invoquer des esprits. Et cet esprit qui a pris place dans cette famille, maintenant se trouve dans cet enfant. Et qu'est-ce que cet esprit a fait? Maintenant, eh bien, tu es maman. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a pas Christ, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Vous savez, tous les gouvernements, les chefs d'État qui sont là, vous savez que ces gouvernements, bon, c'est vrai que la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités, mais qu'est-ce que ces hommes-là font pour faire avancer le pays? Ce sont des hommes qui sont là pour uniquement glorifier le diable, mettre des lois contre la loi de Dieu. Mariage homosexuel. Regardez dernièrement, pasteur m'a envoyé, comment dire, je n'avais même pas vu ça. Ils ont dressé un monument satanique en Amérique où tous ceux qui appartiennent à Satan viennent pour adorer Satan. Et bien-aimé, la Bible nous a déjà dit, bien-aimé, et cela se réalise. Donc c'est pourquoi nous devons être vigilants, nous devons demander à Dieu sa grâce chaque jour pour marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas une chose facile de marcher avec le Seigneur, mais lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous guider, nous marchons comme on vient de chanter, tout joyeux, tout joyeux. On a la paix et on marche tout joyeux avec le Seigneur. Seul Dieu peut nous conduire dans ces temps difficiles. Seul Dieu peut nous guider dans ces temps difficiles. Et si on n'a pas Dieu, on ne peut pas faire face à ces problèmes, bien-aimés. Donc, le message que je dois porter pour le peuple de Dieu ce matin, c'est Dieu a fait de nous une habitation. Dieu a fait de nous, si nous voulons dire, on va parler du terrestre et du spirituel. Bon, Dieu a fait de nous une maison à laquelle qu'il habite. Et dans le spirituel, on va dire que nous sommes le temple du Dieu vivant. Le temple où Dieu habite par son esprit. Il a donné son esprit et il habite en nous par son esprit. Et nous entrons dans la communion avec Dieu grâce à l'aide de son Esprit Saint. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Donc, nous allons prendre la Bible à Matthieu 7, versets 24 à 27, qui nous parle de deux sortes de maisons. Et en ce matin, nous verrons comment notre maison dont nous sommes est bâtie. Matthieu 7, versets 24 à 27. Si la sœur Suzanne a pu faire la lecture. C'est pourquoi... Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Luc 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Hébreux chapitre 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Nous avons vu trois passages. Chapitres. Et les trois versets, on pourra dire ça se correspond. Donc, le thème du message, Dieu. Point. L'architecte qui bâtit la maison. Dieu, plus loin, l'architecte qui bâtit la maison. Revenons à Matthieu 7, 24-27. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, bien-aimés, pour bien comprendre, là, la Bible parle d'une maison physique, une maison terrestre, on veut dire. Jésus disait, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas, comment comprenez-vous le céleste? C'est-à-dire, Jésus parlait en parabole et il employait toujours tout ce qui était céleste pour amener tout ce qui était terrestre pour amener au céleste. C'est à nous de comprendre. Et même quand il parlait, les disciples disaient, Seigneur, explique-nous la parabole. Ce n'est pas facile de comprendre une parabole, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui dévoile la parabole. Donc, il est parlé de maison. Et à l'instant là, je vous ai dit que nous sommes une habitation, nous sommes une maison de Dieu. Ça, c'est le spirituel. Mais dans le physique, il nous dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique. La première chose que nous devons faire, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a ordonné. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Donc, bien-aimés, en tant que chrétien, je vous ai dit que nous sommes une habitation de Dieu, une maison de Dieu, un temple de Dieu. Souvent,
Ce matin, on va parler de deux sortes de maisons qu'il y a dans l'église. Il y a la maison qui est bâtie sur le roc et il y a des maisons qui sont bâties sur le sable. Si la Bible parle, bien aimé, c'est que ça existe. La maison qui est bâtie sur le roc est une maison qui est bâtie par Dieu, dont Dieu est l'architecte. Et il est aussi le constructeur, parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a fait de nous un temple, une maison. Et quand nous regardons Jésus, on va dire que nous, en tant que maison de Dieu, nous sommes une maison spirituelle. Et qui a pour fondateur le Seigneur Jésus. Et qui est fondée par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes une maison spirituelle dont Dieu est l'architecte, Jésus est le fondateur et le Saint-Esprit a fondé cette maison pour la gloire de Dieu. La maison qui est bâtie sur le sable, c'est l'œuvre des hommes. C'est-à-dire que les hommes ont bâti cette maison, mais cette maison est bâtie sur le sable. Ce qui veut dire que si je suis une maison bâtie par Dieu, je suis bâti sur le roc. Mais si c'est l'homme qui a bâti la maison pour moi, cette maison est bâtie par l'œuvre de l'homme. Et nous verrons que parmi les deux maisons, lorsque il y a des soulèvements, quelle maison qui résiste? C'est ça. Et bien aimé, qu'on nous tout cas ouais, qui ça qui passe dans des églises aujourd'hui jour, et c'est là nous qu'a regardé, nous qu'a ouais, qui maison qui a résisté à ces problèmes là qui a venu. Les nous garder, bien-aimés, nous savons actuellement nous en période cyclonique. Nous en période à laquelle que, à n'importe quel moment, un cyclone peut venir à ce pays. Bon, mais avant ça, il y a les autorités qui ont averti. Nous avons dit premièrement, on alerte jaune. Deuxièmement, on alerte orange. Troisièmement, on alerte. Et quatrièmement, on alerte violet. Alerte violet, ça veut dire? Restez chez vous. Ça veut dire? Restez la caillou, pas sorti. Bon. Les autorités annoncent alerte orange ou bien jaune. Ça veut dire que nous avons précaution. Parce que nous savons qu'il y a vini. Les dit que nous avons alerte rouge. Déjà, même en sous alerte orange là, ou quoi commencer à tendre? Beau. Parce que, moun ka commencé à solidifier caillou. Là, regardez, voisin par là, ou attendre to. Plus loin, à peut-être 500 mètres, 800 mètres, ou quoi attendre? Po. Parce que tout le monde qui a cherché en manière, puis yo, solidité caillou. Parce que yo savent que les autorités annoncées en tempête, le plus souvent, ils ont bâti tempête, yo ont dit qu'ils tournaient cyclone ou bien si ils tournaient ouragan. Et c'est là, bien aimé, ils ont déclenché l'alerte rouge, yo ont commencé à dire pas sorti, rete bon caillou. Et là, ils ont déclenché l'alerte violette, yo ont dit imminent. Et tout le monde qui prend conscience, tout le monde qui prend précaution, personne n'a pas sorti. Parce que pour ça, il prend danger au sérieux. Il prend menace là au sérieux. Bien. Les nous garder, eh bien, maison 1 est-il qui bâti à sous sable, sous cyclone t'a la passé, il a ravagé. Il a ravagé. Bien. Et tandis que maison 1 qui bâti à sous roc là, idiot,
La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pour qui? Parce que maison qui était bâtie à Souwok là, même si cyclone a vini, même si cette tempête a vini, maison t'a là doubout. Parce que Pouchi, il bâtit à Souwok. Souvent, les gens qui ont construit une maison, ils ont cherché un terre qui ferme pour poser fondation. Et les maisons t'a là bien posée, bien aimée, sa maison qui doubout. Eh bien, dans le terrestre, le spirituel, dans le céleste, c'est la même chose. Dans l'église, il y a des maisons que Dieu a bâties, des maisons à laquelle que Dieu bâtit, mais c'est pas Dieu qui prend soin d'y. C'est à nous d'y prendre soin d'y propre maison. Parce que si bon Dieu a bâti, il a bâti nous tout ça qui ni pour mettre en dedans, c'est à nous d'y prendre soin d'y maison. Bien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, ouais, Adam, là, on parle de spirituel. Hein? Dans l'église, les maisons que Dieu a bâties, c'est à ce moment-là, bien-aimé, quand la pluie tombait, ce sont des paroles de découragement qu'on va entendre. Ce sont des paroles qu'on va entendre toujours, ça qui a existé, qui a mené des divisions. La pluie tombée. Autrement dit, bruit couru, nouvelle calée. Donc, et toutes ces bagailles-là, le plus souvent, diable a essayé de détruire maison 1 et dit bon Dieu, parti. C'est ça. Il derrière toutes ces bagailles-là. Et là, regardez, il dit où la pluie tombée, les torrents sont venus. Torrent qui signifie des tempêtes qui sont venues contre maison. Il signifie aussi des tsunamis, etc., qui sont venus contre maison. Il dit, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Vous savez, dans l'église, bien-aimé, il y a aussi des tempêtes, des tsunamis, des tremblements de terre qui sont venus pour souffrir la maison où il y a. Et c'est là, bien-aimé, où ils savent qui manière la maison est bâtie. Si tu es bâti en les rocs là, ou bien si tu es bâti en les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est la maison spirituelle bâtie sur le sable, c'est-à-dire bâtie par l'homme. Nous, ouais, qu'il dit nous, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette maison a pour reflet certains chrétiens bien-aimés, qui n'ont pas bâti leur maison sur le roc. La maison qui tombe, ce sont des chrétiens qui n'ont pas bâti leur maison sur le roc. C'est-à-dire, quand il y a une tempête qui se lève, une tsunami, un torrent, tremblement de terre, comme j'ai dit, qui ravage l'église, rien ne doit t'ébranler. Parce que ta maison est bâtie sur le roc. Quel que soit, bien-aimé, ce qui se passe dans l'église, ce qui ravage l'église, soit une maison bâtie en sous-roc là, soit une maison plantée et enracinée en Jésus-Christ, il ne peut pas déraciner. Il ne peut pas jeter maison. Parce que pourquoi? Tu as bâti ta maison sur le roc. Tu as bâti ta maison en Jésus. Saul de Tarse, bien-aimé, que nous connaissons, qui vient en grand apport de Christ. Ça a été qu'a fait. Saul, il persécutait l'église. Bon, prenons acte 8, verset 1 à 8, on va voir.
Acte 8, verset 1. Oui. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Non, Acte 8, verset 1. Oui. Oui, c'est ça. Acte 8, le verset 1. Oui. Oui, 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 c'est vrai. Vas-y, oui. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait les hommes, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Donc, nous avons qui ça, Saul de Tars qui vient en grand apôtre. Qui ça a été qu'à faire? Il dit nous au verset... Au verset 3, Saul de son côté ravageait l'église. C'est-à-dire, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc voilà un homme qui était sous la domination de Satan. Parce que les disciples de Christ prêchaient la bonne nouvelle, il était qu'à aller, il était qu'à prendre tout ça, tout partisan de Christ, tout disciple de Christ. Il était capable et jeté en prison. Parce que il patait les diabla même patait les monde connaître l'évangile. Et c'est pourquoi que de nos jours, bien-aimés, Satan a toujours joué jeu ta là. Leur l'évangile prêché, souvent on invite quelqu'un, mais le diable a toujours prise pour dire n'y va pas. Parce que il parlait monde connaître la puissance de Dieu. Et c'est ça, Saul de Tars a fait. Bien. Il ravageait l'église, il jetait les disciples de Christ en prison. Mais, les nous garder, bien-aimés, est-ce que pour cela, que ces apôtres-là abandonnaient l'œuvre là, ils ont fait? Non. C'est pas pour ça, parce que, il y aurait l'église qui a ravagé, il y aurait les disciples, il y a jeté en prison, que il dit non. Ça finit, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, on nous arrête. Non, au contraire, c'est là qu'ils étaient plus contents encore. Parce que vraiment, la persécution a commencé, ils ont décidé d'y aller de ville en ville prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont dit qu'on s'agode, non, nous avons quitté l'église, nous avons parti, hein, nous finissons puis ça. Et quant au cas de Judas, bien aimé, nous connaître, qui était vraiment disciple de Christ, qui manière il vini, y aller et puis les Romains prend en condition puis c'est ça, trahir Jésus et livrer Jésus. Est-ce pour cela que ces disciples là disent comme ça, non, nous qu'a quitté ça, nous qu'a abandonné? Parce que pour qui? Les disciples même bien-aimés avaient reçu le fondement de Christ. Les apôtres avait vraiment reçu un fondement qui était basé et fondé sur Christ. C'est pour cela qu'ils ont continué, malgré la persécution, malgré les divisions, malgré tout ce qu'ils ont subi, à toujours prêcher l'évangile, à toujours rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, de nos jours, bien-aimés, on entend tellement, on voit tellement que la moindre petite chose, je laisse l'église. Je m'en vais. Et pourtant, bien-aimés, si nous sommes un en Christ, nous formons un corps en Christ, nous formons l'unité du Saint-Esprit, pourquoi se retirer?
Pourquoi se retirer? Est-ce qu'ailleurs je vais trouver mieux? Ou bien est-ce qu'ailleurs je veux voir beaucoup plus? Bien-aimés, nous qui sommes le temple de Dieu, nous qui sommes une maison de Dieu, une habitation de Dieu, c'est à nous d'entretenir le temple du Saint-Esprit. Amen. Si nous voulons voir le temple de Dieu béni, le temple de Dieu fleurir, c'est à nous d'entretenir notre maison. C'est pas lorsque nous qui courir à gauche, nous qui courir à droite, nous comprendre que nous gagnons mieux. Non. C'est pourquoi, bien-aimés, quand Dieu a bâti une maison, rien ne peut l'ébranler. Quel que soit ce qui ravage l'église, moi, je suis debout sur le roc qui est Jésus. Quel que soit. Même si c'est le pasteur avec moi qui reste, je resterai. Parce que ma mission, c'est de défendre le royaume de Dieu. Ma mission que Dieu m'a confiée, c'est d'être là, d'être à ma place. Mais souvent, le diable fera tout, bien-aimé, pour nous éloigner. Ne savez-vous pas ce qu'il a dit? Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est ça qu'il a besoin. C'est ça qu'il a besoin. Et tandis que les savent que nous étions dans l'unité, nous unis l'un à l'autre, ils savent vraiment, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, que laissez bon Dieu qui bâtit en maison, maison en bâtie, vraiment à ce roc-là. Psaume chapitre 27, versets 1 à 2. Psaume 27, versets 1 et 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Excuse-moi, non. C'est Psaume 127, je voulais dire. 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ouais, c'est pas bon Dieu qui bâtit maison. Mouna qui a bâti là, il a bâti en vain. Et c'est pourquoi, les nous garder bien-aimés en monde là, nous avons viré sur le terrestre, nous avons sorti, quitter le céleste pour virer sur le terrestre. Toutes ces mouna qui sont dans le monde, Dieu créé yo, c'est des créatures de Dieu. Jésus vini pour fait passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Mais qui sa Bible a dit nous, ils ont préféré les ténèbres plus que la lumière. Et là, comme ils ont préféré les ténèbres, Dieu ne peut pas faire une maison à laquelle il est habité en disant yo. Et ces ténèbres-là ni pouvoir à sous la vie. Ces ténèbres-là qui prend possession à sous la vie. Donc, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit maison 1, mouna qui bâtit là, qui a bâti en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui a gardé ville là, mouna qui a gardé là, qui a gardé en vain. Parce que quand c'est Dieu qui garde ta maison, bien-aimé, ou pas ni a rien à craindre. Ou pas ni a rien à craindre. Parce que pourquoi? Dieu garde ta maison. Je me souviens un soir, bien-aimé, je dormais
Et puis, ni envier l'esprit, ma savent côté, il sorti, mais il vient attaquer moi. Et qui ça y fait? Il prend, ça, si l'esprit a prend forme humaine, il prend la main, il mettait les bouches moi. Les mains viennent pour moi parler, impossible d'ouvrir la bouche. Alors, une petite voix à l'intérieur me dit, présente-lui la croix de Jésus. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça avec ma main, il a retiré sa main sur ma bouche. Et brusquement, je me suis réveillé, j'ai dit, au nom de Jésus, le sang de Jésus contre toi. Et qui ça m'a noué rideau, finette chambre là, levé. Bien aimé, je sortais les liens, puis en vitesse, comprendre que je suis en bagaille. Mais le moins dur, les mains ouvertes, finette chambre là, je suis en chien qui a jappé tout en quartier. Tout en quartier, chien qui a aboyé. Donc, heureusement que Dieu veillait sur moi. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Souvent, nous voulons bâtir des maisons pour Dieu. Il y a le cas que David, qui était un homme de Dieu, il avait projet de bâtir une maison de repos pour l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? 1 Chronique chapitre 28, versets 2 à 3. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Amen. David, qui était un homme de Dieu, à laquelle Dieu prenait plaisir en son serviteur, quand il a décidé de bâtir une maison pour l'arche de l'Éternel, Dieu lui a dit, non, 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 David, c'est pas toi qui bâtiras la maison, parce que tu es un homme de guerre, tu as versé trop de sang. Nous savons, délai bien-aimé, maison est-il bon Dieu, fais-nous. Temple est-il bon Dieu, fais-nous. Il qu'a venu habiter en dedans. Il pour être saint. Délai aussi, ça qu'a arrivé que nous qu'a souillé par le péché. Nous qu'a souillé par divers souillures. Et qui manière nous l'est que Dieu habitait dans la maison là. Parce que Dieu dit nous qu'il est saint. Et nous aussi, nous pouvons être saints. Mais souvent, bien-aimé, ce n'est pas le cas. Et le David tenait projet de construire la maison de bon Dieu. Bon Dieu dit non, parce que la main de David est sale. La main était versée trop sang. Et qui donc, bon Dieu, choisit de bâtir maison 1? Salomon. Salomon, bon Dieu, dit comme ça que c'est lui qui a bâti maison 1. La maison terrestre fut bâtie par Salomon. Et les nous regarder, les Salomon bâti maison 1, nous regardons, qui manière maison 1 est fleurie? 1 Roi, chapitre 8, versets 10 à 11. Un roi, chapitre 8, versets 10 à 11. Au moment où, où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Alors, il a dit, reprends ma sœur. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint,
la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous bien saisis ce qui passait là? Il dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, c'est-à-dire les sacrificateurs, c'était des hommes qui étaient en fonction, qui étaient qu'à risouver, qui étaient qu'à parler puis bon Dieu. Il dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Si la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel qu'avait bâti Salomon, de nos jours, pourquoi nous ne sommes pas remplis de la gloire de Dieu par son Esprit Saint? Pour qui, bien-aimés, nous pas remplis de la gloire de l'Éternel? Que chacun s'éprouve soi-même. Quand Dieu a bâti ta maison est le temple du Saint-Esprit. Elle sera appelée une maison spirituelle, que j'ai dit. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approche-lui de vous, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Donc, je disais, quand Dieu bâtit ta maison est le temple du Saint-Esprit. Elle sera appelée une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Bien-aimé, il nous dit dans 2 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Quelles sont les victimes spirituelles que nous devons offrir à Dieu? Quelles sont les victimes spirituelles? Bien-aimés, est-ce que nous avons fait qu'on, sous l'ancienne alliance, nous avons porté un pigeon, nous avons porté un tout orel, nous avons porté un bouc. Non. Pardon? Des prières. Bien, si ma soeur. Les victimes spirituelles que nous devons offrir à Dieu, c'est que ta maison doit être ornée avec la gloire de Dieu.
l'adoration, l'amour de Dieu, la louange, jeûne et prière, action de grâce. Voilà comment que la maison que nous sommes doit être ornée. C'est avec ça que nous devons orner notre maison afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. C'est ça, bien-aimés, qui feront la valeur et la beauté de notre maison devant Dieu. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, notre maison doit être ornée avec la louange, l'adoration, l'amour de Dieu, action de grâce, jeûne et prière. Et c'est ainsi que notre maison ne sera jamais ébranlée. Jamais ébranlée. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Il y a des maisons qui ont été bâties et qui n'ont point de maître. Matthieu chapitre 12 verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons que les bon Dieu fait de nous en maison, il bâtit maison. Bon, il a mis en maître en disant qu'il est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que maison t'a là, gardé, il protégé, il orné, et louange, adoration, etc., qu'on nous fait bon matin, hein, c'est ça qui a sorti en maison, hein, qui a allé vers Dieu. Bien. Mais là, ouais. Bon Dieu, bâti maison, hein, et puis nous décider de faire du maison, hein, ça nous l'est. Qui ça qui est en train péché. Qui ça qui est en train de dire? Les esprits. C'est ça qui a commencé à prendre possession. Et à ce moment-là, il a commencé à redire pour pas même ni la joie. Le désir divin autant. Et même quand on a eu frère et puis sœur, ou quand on a jeûné, ou quand on a commencé à faire en notre chemin. Parce que pour ti, maison 1 et bon Dieu te mette en mettre en didin, ou pas prendre soin de, ou pas orné, mettre la sortie parce que péché rentré. C'est ça qui est arrivé. Tandis que, la Bible dit nous comme ça que, un monde, je prends un exemple, dit un monde. Le terrestre, c'est un humain. Le céleste, c'est une maison. Bon, il possédait. Le Seigneur Jésus sanctifié, nettoyé, purifié et mettait en didin. S'il continuait à marcher de fidélité en fidélité et puis bon Dieu, c'est-à-dire mettre là toujours en didin Kaïla. Mais s'il décide d'y aller retourner au monde là, les plaisirs du monde, boîte de nuit, carnaval, impudicité, etc., etc., qui manière mettre là peut faire arrêter en dit dans la maison là? Il ne peut pas arrêter en dit dans la maison. Parce que pourquoi le péché nous éloigne de la face de Dieu? Le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette maison qui avait été bâtie par Dieu, qui n'a pas eu de maître, eh bien la Bible nous a dit que lorsque l'esprit impur est sorti de cette maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Il va aller chercher sept autres qui sont plus méchants qu'il. Sept autres esprits qui sont encore plus méchants qu'ils.
Et il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. T'as dit, maison en panimètre, je ne suis pas là. Donc, l'esprit a qu'à virer l'entrée dedans. Parce que si tu m'as dit, les parents te connaissent Jésus, te connaissent l'évangile, ils ne peuvent pas te connaître maman. Comme ils ne peuvent pas te mettre en dedans, l'esprit a entré dedans, il fait tuer maman. Voilà. Et à ce moment-là, bien-aimé, c'est vrai que ni des maisons et bon Dieu, t'es à sanctifié, nettoyé, mettant dedans. Et tandis que ces maisons-là, ils ont décidé d'y bâtir quoi, yo même à sous sable. Eh bien, les yo bâtir quoi à sous sable là, yo le plus souvent, yo fuit l'église, yo qu'a fui les bien-aimés. Et qui ça qui a fait, bien-aimé? Les yo vivent en monde là, les yo fait tout bagayo, il n'y a des esprits qui a rentré en dedans. Peut-être certains ne pas croire ça, mais les esprits rentrent dans des corps. Ils ont besoin des corps pour se satisfaire. Et les nous garder, m'ont toujours dit que diable n'a mené qu'à travailler. À ce moment-là, Satan toujours qu'à serrer derrière ce qu'il a fait. Il parle de monde connaître qui ce qu'il a fait. Mais il est monde critiquer bon Dieu. Il est monde sali non bon Dieu. Il est monde vraiment dit des choses contre Dieu, blasphémer contre Dieu. Et qui ça veut dire? Eh bien, parle qui dans l'évangile là. Parle qui dans l'évangile là. Regardez ça aujourd'hui là. Depuis que nous sommes dans le bail là, on est venu. Mais il n'y a pas qu'à dire que c'est lui qui ouvre la porte de Diab et Diab en train de dire il possède et puis il a fait ses bêtises là. Donc, Diab là a serré. Puis, il ne connaît pas Zafei, mais il a blasphémé contre Dieu. Et, bien aimé, Mountala, si vous avez peut-être avant, bré un petit la bien, à tu as mis un petit peu de litre en bas au jour. Et c'est là ça grave. Parce que, les esprits prennent possession en disant corps, bien-aimé. Surtout si vous avez connaître Jésus. Surtout si vous avez fait la paix et bon Dieu. Et puis vous venez abandonner le Seigneur. Eh bien, c'est là Satan qui a viré prendre possession en disant. Regardez bien, bien-aimé. Judas, qui était un disciple de Christ, Judas chassait les démons. Judas marchait et puis Jésus. Diable arrivé pour quand même. Pour qui ça? Parce que Judas était un petit boosté à Tchébi. Et Tibous là, chaque fois, Diabla te ka mette pensée, mais ou peut voler, ou peut voler. Et quand il mette ça en pensée, ce qui veut dire qu'il ouvre la porte de Diabla. Et Diabla rentre en dedans. Et là, regardez, Jésus qui te ka prier dans le jardin de Gethsémané, Satan dit Judas, mais ne m'en cherche. Et vraiment, bien aimé, bon Dieu, Jésus t'a averti Judas. Il t'a bien dit, l'un de vous me livrera. Mais malheur par qui le Fils de l'homme a été livré. Ce qui veut dire que vos mêmes mondes appartenaient. Et Judas, bien aimé, il a une compte à rendre le jour du jugement. Puisque chacun de nous devra rendre compte de Dieu de tout ce que nous faisons sur la terre. Les yeux de Dieu, ce sont des caméras qui a filmé tout ça nous a fait. Les nous venir, nous partir, nous morts un jour. Il y a des gens qui disent comme ça, vive la tombe, ça ne s'arrête pas à la tombe. Non, ça ne s'arrête pas à la tombe. Pas du tout. Il faut savoir que on a quelque chose de précieux en nous qui retourne à Dieu. La Bible dit, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, le jour où nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, c'est là qu'on verra tout ce qu'on a fait sur la terre. Mais béni soit l'Éternel pour le Christ Jésus qui est mort pour nos péchés. Béni soit l'Éternel pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et béni soit l'Éternel pour ceux qui vont encore accepter Jésus dans leur vie.
Parce que la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais si nous mourons sans avoir Christ dans nos vies, nous sommes perdus pour l'éternité. Nous sommes perdus pour l'éternité. Et si nous mourons avec Christ bien-aimé, nous ne mourons pas. Puisque la Bible dit, celui qui croit en moi est déjà passé de la mort à la vie éternelle. Le chrétien va se reposer dans la félicité de Dieu. Il va dans le repos en attendant la résurrection. C'est pourquoi il a dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Alors, quand Dieu a bâti sa maison en nous, nous faisons de sa maison le plus souvent une caverne de voleurs, une caverne de mensonges ou bien une caverne de murmures. Et pourtant, nous sommes le temple de Dieu. Matthieu 21:13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est-à-dire dans le terrestre, le physique, la maison de Dieu est une maison de prière où on prie Dieu, où on loue Dieu. C'est le lieu ici, c'est la maison de Dieu. Mais dans le spirituel, la maison de Dieu que nous sommes doit être aussi une maison de prière, une maison en communion avec Dieu. Et n'oublions pas aussi qu'il y a le jugement de Dieu qui va commencer par 1 Pierre chapitre 4 verset 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voyez, bien-aimés, jugement va commencer par la maison bon Dieu en premier. Parce que comme nous connaissons la parole bon Dieu, si nous qu'a foulé, si nous qu'a fait ça nous les, eh bien, jugement va commencer par la maison bon Dieu en premier. C'est pourquoi mandou bon matin que mon intérêt a fait toute attention parce que ils a dit comme ça que Mouna qui a prêché, mouna qui a enseigné, qui a jugé plus sévèrement. Bien aimé. Donc, jugement a commencé par la maison bon Dieu. Et, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Là, il pose la question. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous savez, le plus souvent, il y a des gens qui acceptaient le Seigneur, qui cheminent et puis brusquement ils retournent en arrière. Eh bien, Bible Kamando, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ouais, nous bien-aimés, c'est Bible dit nous consacre, c'est nous qu'a sauvé l'âme nous avec peine. C'est vrai que des fois il y a des moments qui difficile. Il y a des moments quand nous sentons nous s'est lâché toute bagaille. Mais non, ma cadeau bon matin, tiens bien Jésus. Paladji. Parce que Jésus est à la porte. Quel que soit ce que tu ressens, tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère. Parce que Christ est à la porte. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas passer outre. Le jugement est là aussi pour l'Église de Dieu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Moins qu'elle paraît devant tribunal Christ. Le bien ou le mal que m'en fait, le m'entend encore Christ là, il qu'elle devoir aller devant bon Dieu. On va qu'elle n'y échappe à trois. Commencez par moi le premier. Et c'est pourquoi que m'en y tiré à marcher droite. M'en y tiré à marcher droite. Je regarde mon bagage. Dans le travail, moi, je vais essayer de tester, moi, sonder moi plusieurs fois. Mais vous savez, je suis mort en Christ. Et jusqu'à ce que nous dit comme ça un jour, monsieur, pas fâché. Monsieur, c'est un enfant de Dieu. Monsieur, pas fâché. Parce que pour dire, il y a testé. Et en conclusion, Josué, chapitre 24, verset 17. Josué 24, 17. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de serviteurs, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Attendez, non, c'est 15, le verset 15, je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 17. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Votre cas choisi, ça vous les servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays de quel que vous habitez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères. Moi, Makadou, c'est Dieu à papa monter qu'à servir à Mazala chez Zombie. Et au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens, c'est-à-dire le dieu de ce monde, lui aussi maladie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le vœu de mon cœur. Et ce que je souhaite pour vous aussi, moi et ma maison, vous et votre maison, servez l'Éternel. Amen. Servez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Que Dieu vous bénisse.